Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie d'être inscrits si nombreux à notre webinaire qui porte sur deux réformes concernant la santé, la prévoyance et la retraite. Une première réforme qui va entrer en vigueur au 1er juillet 2022 et l'autre qui rentrera en vigueur progressivement et jusqu'au 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos locaux d'Orcom Philippe Poisson, qui est courtier en assurance et qui va présenter avec moi ces mesures, voilà, pour que vous puissiez être à jour de vos obligations en la matière. Donc, merci Philippe d'être parmi Merci Anne-Laure de m'accueillir. nous. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure Boutet, la responsable du département droit social d'Orcom. Sans plus attendre, on va commencer. Simplement, pour vous expliquer le déroulement de ce webinaire, on va commencer par un petit temps de présentation sur la première réforme. Ensuite, on prévoira un temps pour répondre à vos premières questions. Ensuite, on aura un deuxième temps de présentation de la seconde réforme et encore une fois, un temps de questions-réponses. Et le support de présentation vous sera adressé à l'issue du webinaire. Voilà, sans plus attendre, je commence. Un petit avant-propos et puis après, je laisserai la parole à Philippe. Donc, pour vous résumer un petit peu le cadre dans lequel s'inscrit ces réformes, en préambule, je rappelle que le régime de frais de santé, donc ce qu'on appelle plus couramment la mutuelle, il est obligatoire dans toutes les entreprises, donc ça c'est depuis 2016, et puis que le régime de prévoyance, il est quant à lui obligatoire légalement pour les cadres, mais après il convient de vérifier votre convention collective, puisqu'il y a de nombreuses conventions qui vont l'imposer, même pour les non-cadres. Donc, ces régimes sont bien évidemment mis en place avec un contrat d'assurance qui va mettre en place tout le socle de garanties qui sont octroyées à vos salariés. Et puis, en plus du contrat d'assurance, qui est parfois un petit peu moins connu, il faut ce qu'on appelle un acte juridique fondateur. Donc, ça va être soit votre convention collective lorsqu'elle prévoit la mise en place du régime, soit un accord d'entreprise, soit un référendum. Et puis, ce qui est le plus utilisé, pardon, pour les TPE et PME, une décision unilatérale de l'employeur, qui est un acte unilatéral qui est rédigé par l'entreprise. Je vais me permettre de compléter cet avant-propos. Concernant donc le régime frais de santé, donc pour mémoire, bien évidemment, ces couvertures qu'on appelle, c'est vrai, communément mutuelles, sont peut-être en place depuis de nombreuses années dans les entreprises. Juste pour mémoire, donc depuis le 1er janvier 2016, pardon, les entreprises ont obligation de proposer à leurs salariés des complémentaires santé avec souvent des socles et des options facultatives. Donc là, on était en 2016. Et pour mémoire également, les entreprises qui avaient déjà des régimes en place ont eu 2 années, 2016-2017, pour les mettre en conformité, lorsque les contrats soient responsables et continuer à bénéficier des exonérations de charges. Ça, c'est pour la santé. Sur la prévoyance, petit focus sur l'obligation légale des cadres. En fait, là, on va en reparler un petit peu plus tard, mais la convention de 47 prévoyait en fait que toute entreprise qui embauche un salarié cadre doit lui garantir un minimum de protection décès, en l'occurrence, qui est de 3 années de salaire sur la base de base forfaitaire de trois, avec un plafond de trois plafonds de sécurité sociale, pardon. Donc, grosso modo, 3 fois 40 000 euros aujourd'hui. Pour se défaire de cette obligation, les employeurs cotisent à des régimes de prévoyance, mais comme c'est une obligation qui incombe à l'employeur, la cotisation est supportée intégralement par l'employeur à concurrence de 1,5%. Donc, c'est le fameux 1,50 que vous retrouvez sur toutes les feuilles de paie en cotisation, au moins en tranche A. Si je prends un exemple d'une entreprise qui aura un régime de prévoyance à 2% tranche A, les 1,50 sont automatiquement supportés par l'entreprise et le différentiel entre les 1,50 et les 2% peuvent être répartis entre le salarié et l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on savait jusque-là et ce qu'on devait appliquer jusque-là. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, là, on a un accord de branche qui est celui de la métallurgie, qui a retravaillé les garanties de prévoyance des cadres et des non-cadres et qui, dans le cadre de cet accord de branche, prévoit un minimum de cotisation de 1,12 de l'ensemble du salaire.
Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'un accord de branche, en fait, vient un petit peu modifier cette obligation qui était liée une fois de plus à la CCN de 47. Et donc, il va être intéressant et il n'est pas du tout impossible qu'on imagine que d'autres accords de branche fassent évoluer ce minimum légal. Donc, il sera judicieux de se poser la question du devenir et des régimes en place et des nouveaux régimes quand ils seront mis en conformité. Mais c'est vrai que c'est une évolution, en tout cas c'est une première concernant ce fameux 1,50 qui risque d'évoluer par les accords de branche qui se mettent en place. Et le premier, a priori, qui va lancer un petit peu le bal, entre guillemets, c'est celui de la métallurgie au 1er janvier 2023. Voilà, c'était juste le petit rappel. Les actes juridiques que vous en avez parlé, Anne-Laure, c'est les trois solutions. Donc c'est vrai qu'on va plus s'attarder sur la décision unilatérale, mais bien évidemment, il existe deux modes de mise en place possibles. Voilà. Alors, avec deux précisions, effectivement, c'est important ce qu'a dit Philippe. Donc, je pense que là, sur les prochains mois, il faut vraiment que vous soyez très attentif à ce qui va se passer dans votre branche professionnelle pour voir si les syndicats patronaux et les salariés s'emparent du sujet. Et puis, du coup, agir avec votre assureur en conséquence et votre conseil. Et puis, ce qu'il est également important de souligner, c'est que certes, on a l'accord de branche qui peut prévoir des dispositions. Si vous souhaitez mettre en place des garanties supérieures, là, vous devrez quand même avoir cet acte qui va être soit un accord d'entreprise qui complète, soit un référendum, soit une décision unilatérale. Donc, il y a bien les deux socles, la branche et vous, après, ce que vous pouvez faire en interne dans votre structure, que ce soit entreprise ou association. C'est souvent des questions qui nous sont posées, c'est est-ce que je dois faire une DU, une décision unilatérale, si mes garanties sont supérieures à l'accord de branche? C'est oui. À partir du moment où l'employeur va au-delà de ses obligations conventionnelles, oui, on passe par un acte juridique et souvent c'est la décision unilatérale. Voilà, parce que c'est celle qui est la plus simple effectivement à mettre en place. Alors, toujours dans les avant-propos, contributions patronales au régime prévoyant, frais de santé et retraite, exclus de l'assiette des cotisations et des contributions de la sécurité sociale, uniquement si on respecte un caractère collectif et obligatoire, non-obstant, bien évidemment, les fameux cas de dispense, parce que on est toujours un système où c'est obligatoire, sauf, c'est très français, sauf cas de dispense. Donc, bien évidemment, ces cas de dispense ne peuvent s'appliquer qu'à partir du moment où ils sont prévus dans l'acte juridique. Vous êtes d'accord? C'est l'acte juridique qui définit les conditions de mise en place et de fonctionnement de tout régime, qu'il soit santé, prévoyance ou retraite. Donc, on a deux réformes. Une instruction interministérielle donc, du 17 juin 2021 avec une mise en application 1er juillet 2022, donc c'est demain ou presque, qui concerne en fait le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. On va voir un petit peu plus ce qu'il en est. Et puis, il y a le décret de 30 juillet 2021 avec une obligation au plus tard de mise en œuvre au 1er janvier 2025 et lui qui concerne la modification des catégories bénéficiaires qui était en référence en fait à la convention collective des cadres donc de 1947. Donc, je vous propose qu'on aborde d'abord, dans un premier temps, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Donc, réforme, on doit l'avoir à la page. Et comme je le disais, oui. Effectivement, on prévoit d'abord un premier temps d'échange, pour ceux qui nous rejoignent un petit peu plus tard, un premier temps d'échange sur cette première réforme où Philippe va vous présenter les garanties, un temps de questions-réponses et ensuite on enchaîne sur la deuxième réforme. Donc, obligation au 1er juillet 2022. Alors là, en fait, l'objectif de cette présentation, c'est… De faire en sorte et de vous apporter des informations pour que vos contrats collectifs et vos régimes, qu'ils soient santé, prévoyance ou retraite, continuent à bénéficier des exonérations sociales. Et ces exonérations sont subordonnées à la mise à jour des actes juridiques, comme on évoquait tout à l'heure. Donc, 30 janvier, circulaire Sécu du 30 janvier 2009, il était déjà précisé que lorsque le contrat de travail du salarié était suspendu, l'employeur devait maintenir la protection, qu'il soit santé, prévoyance. On était dans le cas de suspension indemnisée avec des maintiens total ou partiel de salaire, des indemnités journalières financées au moins en partie par l'employeur. Alors pourquoi financées par l'employeur? Parce qu'on pourrait imaginer un salarié qui souscrit à titre personnel un contrat de prévoyance, rien à voir avec l'entreprise. Certes, il va percevoir en cas d'arrêt de travail des indemnités à titre personnel, mais on n'est pas dans le cadre d'un maintien de salaire, d'un maintien de rémunération, donc on ne rentre pas dans ce cas de figure-là et dans ce cas de maintien. Donc, je dirais que ça,
Depuis 2009, tous les assureurs avaient prévu, dans leurs conditions générales, ces maintiens de garantie, en contrepartie d'un maintien de cotisation, bien évidemment, avec une répartition, on peut le rappeler, qui est identique, que le contrat de travail soit suspendu ou pas. Si la cotisation était répartie de tiers un tiers, par exemple, elle continuait, les modalités de répartition sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que le salarié, bien qu'en suspension de contrat de travail, continuait à payer sa quote-part de cotisation. On excluait les revenus de remplacement, pas d'obligation de maintien de garantie pour ces revenus de remplacement. Certaines entreprises, c'est vrai, à titre volontaire, avaient souhaité étendre la garantie de maintien en revenus de remplacement, mais c'était, je dirais, de façon assez anecdotique. Et ça concerne bon, tout ce qui est activité partielle, congé de reclassement, mobilité. Donc, chaque entreprise, jusque-là, était libre d'organiser le maintien ou pas dans ce deuxième cas de figure, c'est-à-dire concernant les revenus de remplacement. Et il ne vous a pas échappé qu'en 2020, nous avons connu une crise sanitaire qui a changé un petit peu la donne. Donc, intégration des revenus de remplacement, durant la crise sanitaire, obligation de maintenir les régimes de prévoyance et de santé aux salariés placés en activité partielle et percevant d'un revenu de remplacement. Donc, au départ, on était sur une mesure ponctuelle, une de plus, qui devait prendre fin au 30 juin 2021. Mais je dirais que les employeurs, le législateur a imposé aux employeurs ce maintien de protection et donc de cotisation pendant cette période de COVID. Finalement, en fait, par une instruction interministérielle du 17 juin 2021, cette mesure a finalement été pérennisée. Et donc, les entreprises doivent continuer à maintenir les protections pour les salariés qui sont en activité partielle. Donc, ça veut dire, bien évidemment, qu'il a fallu que les assureurs, et ça, c'était l'obligation qui s'imposait aux entreprises, mais il a fallu que les assureurs le prévoient dans leurs conditions générales, que ce soit une fois de plus en santé, en prévoyance, et même en retraite, on va en reparler. Donc, quelles conséquences? Acte juridique. Alors, donc les actes juridiques, décision latérale, accord collectif, référendum que l'on a vu au début de cette présentation, donc doivent être mis en conformité avec ces nouvelles obligations. Pour tous les régimes qui ont été mis en place par décision latérale, en fait, c'est souvent l'essentiel dans les PME. L'assureur a l'obligation de mettre ses contrats en conformité, plus exactement ses conditions générales, puisque là, en fait, on n'agit pas sur les garanties, vous l'avez bien compris, on agit sur le libellé des conditions générales. Donc, la majeure partie des assureurs l'ont fait par voie d'avenant unilatéral au 1er janvier 2022. Il faut savoir pour information que certains, compte tenu d'accords qu'ils doivent obtenir en interne, ont une période de tolérance qui va jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'employeur a obligation d'information de ses salariés au plus tard, juillet 2022. Obligation de mise en conformité des décisions latérales, donc on l'évoquait à l'instant, juillet 2022. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est que la volonté du législateur, c'est d'être certain que les salariés ont été informés de cette évolution-là. Les assureurs ont fait leur boulot en modifiant les conditions générales, mais en fait, la seule façon qui permet au législateur de s'assurer que la communication a bien été faite, c'est le fait que cette information figure dans l'acte juridique qui lui-même doit être porté à la connaissance des salariés. Donc, c'est pour ça que, en fait, cette deadline du 1er juillet 2022, elle porte surtout sur le fait que l'URSSAF voudrait s'assurer et est en droit de s'assurer de cette communication au travers du document de l'acte juridique qui, là, en l'occurrence, sera la décision unilatérale. Donc, c'est vraiment une obligation d'information qui se traduit au travers de cette mise à jour de l'acte juridique. Pour les régimes mis en place par application de conventions collectives ou accords d'entreprise ou référendum, il y a une obligation. Donc, sur les contrats, pour la partie assureur, on reste, puisqu'en fait, les conditions générales ne sont pas impactées par les modalités de mise en place. Donc, de toute façon, l'obligation de l'assureur, elle reste 1er janvier. De tolérance. Donc, quel que soit le mode de mise en place de votre régime, forcément, l'assureur a son obligation janvier ou plus tard décembre 2022. Par contre,
obligation de mise en conformité. Là, on repousse la deadline au 1er janvier 2025, tout simplement parce que quand on est dans le cadre d'accords de branche, d'accords référendaires ou autres, on ne peut pas les mettre en place, je dirais, souvent de façon très rapide. Et là, il y a une période de tolérance qui va jusqu'à janvier 2025, qui laisse quand même un petit peu de temps pour s'organiser. Mais dans un cas comme de l'autre, on sait très bien que l'URSSAF serait en droit de redresser un régime, et donc de soumettre la cotisation sociale, si en cas de DU après le 1er juillet 2022 et en cas de autre, dans les autres cas après le 1er janvier 2025, possibilité donc de soumettre les cotisations santé, prévoyance et ou retraite versées à l'assureur aux cotisations sociales. D'où ce qu'on appelle un redressement d'URSSAF. Je résume, effectivement, on a le contrat d'assurance qui doit être modifié par voie d'avenant par l'assureur au 1er janvier 2022 avec cette tolérance sur l'année 2022. Exact. Et on a notre acte fondateur, qui est l'acte juridique qui vient en parallèle, DU, accord collectif ou référendum, qui doit être modifié selon les cas entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2025. Janvier 2025. Sachant que notre acte fondateur doit suivre le contrat d'assurance, donc théoriquement, on ne peut modifier la décision unilatérale si le contrat d'assurance n'est pas à jour. Donc, la première chose à faire, effectivement, c'est de vérifier, même si la majeure partie des assureurs l'ont fait, que l'avenant a bien été fait au 1er janvier 2022, sinon actionner cette demande d'avenant, même si encore une fois, les assureurs ont une tolérance. Et puis, derrière, modifier votre acte fondateur, qui est lui l'acte d'information des salariés, qui prévoit justement les catégories bénéficiaires, les conditions de dispense, les conditions de maintien de garantie en cas de suspension du contrat notamment, et puis la portabilité, etc. Donc cet acte, vérifiez bien qu'il est à jour, bien rédigé. Parfois, il était rédigé de telle manière qui fait que finalement une mise à jour ne sera pas forcément nécessaire. Par contre, si la rédaction de l'acte est un petit peu ambiguë et donc laisse planer le doute sur la prise en charge ou non de ces suspensions de contrat de travail en cas de perception de revenus de remplacement, là, vous devez la modifier et informer vos salariés. Donc, informer vos salariés, bien évidemment, conserver une preuve par une liste d'émargement, par exemple, comme quoi vous avez bien procédé à cette information. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que là, c'est vrai qu'on parle de santé et prévoyance. L'instruction du 17 juin 2021 évoque en effet la santé et la prévoyance, mais évoque aussi la partie retraite. Donc là, on va parler des retraites surcomplémentaires, qu'on appelle sous l'article 83, Code général des impôts, qui bénéficient également d'exonération d'URSSAF. Pour cette partie de retraite surcomplémentaire, il semblerait qu'il n'y ait pas forcément d'obligation. Cependant, en fait, les assureurs qui ont traité au 1er janvier la santé et la prévoyance, globalement, vont traiter également, vont aligner les contrats de retraite complémentaire, c'est-à-dire prévoir, une fois de plus, en avenant à leurs conditions générales, ce maintien de garantie, donc ce maintien de cotisation en suspension de contrat de travail indemnisé. Alors, on peut un autre point que je voulais évoquer également avec vous, c'est les maintiens de garantie sur les suspensions de contrats de travail non indemnisés. Puisque là, bon, on vient de voir qu'on a une extension sur les contrats indemnisés en non indemnisés. Ça veut dire, exemple, c'est ce qui peut être un congé parental d'éducation ou un congé sabbatique. C'est-à-dire qu'il y a un salarié qui dit à son employeur je pars une année, suspension du contrat de travail, mais j'aimerais bien conserver la mutuelle. C'est souvent ça. La prévoyance et la retraite, ça le concerne en général, ça m'inquiète un peu moins. Mais souvent, il dit à son employeur, j'aimerais bien conserver la mutuelle. Alors, deux choses. Un, déjà, il faut que le contrat le prévoie, c'est-à-dire qu'il faut que dans les conditions générales, il soit bien prévu que c'est une possibilité de maintenir les garanties sur les contrats non indemnisés. Ça n'est pas une obligation. Par contre, ce qui est judicieux, c'est de le prévoir dans l'acte juridique. Donc, dans votre DU, puisqu'on parle de la plus communément DU, il serait bien que dans votre décision unilatérale, vous prévoyez, un, ce cas de figure, c'est-à-dire le maintien de garantie sur des contrats,
les suspensions de contrat de travail non indemnisé et surtout la répartition de la cotisation. Parce qu'on a vu tout à l'heure que jusque-là, en fait, l'obligation, on gardait la même répartition, mais dans le cas d'un contrat de travail non indemnisé, l'employeur peut tout à fait prévoir que l'intégralité de la cotisation soit supportée par le salarié, ce qui, quelque part, paraît pas forcément aberrant. Il est judicieux de le prévoir dans l'acte juridique, ce qui permet de communiquer en amont auprès des salariés, et donc la règle du jeu est clairement définie. Si tel est le cas, lorsqu'il y a une demande du salarié, l'employeur devra se tourner vers son assureur pour demander, parce que là on est dans un cas particulier, il n'y a pas d'obligation, mais pour demander ce maintien de garantie. Souvent, les assureurs vont le gérer par mise en place d'un prélèvement automatique de cotisation sur le salarié, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, il n'y aura plus de bulletin de salaire. Donc, pour que la cotisation soit versée, dans certains cas, elle continue à être appelée à l'entreprise, mais le plus simple est qu'elle soit prise par prélèvement sur le compte des salariés. Donc ça, ce maintien de garantie sur les contrats non indemnisés, judicieux de le prévoir dans l'acte juridique, à mon sens. C'est une précision importante, effectivement. Merci, je vais regarder s'il y a des petites questions, puisqu'on a fini la première partie de notre présentation. Nous avons uniquement une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si besoin, et sinon, si vous avez été très clair, Philippe, donc c'est parfait. Oui, c'est parce que ça, je pense que les questions vont arriver. C'est toujours la première, difficile. C'est ça. Donc, dans le cas d'une DU, peut-on la mettre à jour, nouvelle version, donc cela doit-il être sous la forme d'un avenant à la DU? C'est une question intéressante. Alors, c'est un acte unilatéral, une décision unilatérale. Donc, par définition, ce n'est pas entre guillemets un avenant. Après, on joue un petit peu sur les mots, puisque si on respectait vraiment la lettre de la loi, on devrait faire une dénonciation de la DU initiale, respecter un délai suffisant et mettre en place une nouvelle DU. Alors, après consultation du comité social et économique, si vous avez un comité social et économique, ou après simple information des salariés, s'il n'y a pas de CSE. Dans la pratique, on assiste rarement à une dénonciation de la DU, puisque ça nécessite quand même des délais de mise en œuvre assez conséquents. L'URSSAF, d'ailleurs, n'exige pas jusqu'à maintenant ce délai de dénonciation. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une nouvelle DU, c'est plutôt une novation de la DU, où on dit qu'elle annule et remplace la précédente et où on réécrit finalement toute la DU, mais en modifiant uniquement les petits paragraphes qu'on souhaite voir modifiés. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si je peux me permettre, alors c'est vrai que certaines entreprises fonctionnaient par voie d'avenant, mais souvent l'avenant ne modifie qu'un paragraphe. Et comme vous avez obligation de le communiquer aux salariés, vous avez l'avenant 1, l'avenant 2, l'avenant 3, et quand vous avez un nouveau salarié qui rentre, il faut lui donner l'original plus tous les avenants qui suivent. Ça peut être un petit peu compliqué, d'où l'intérêt de réécrire la DU. C'est quand même plus simple, en termes de transparence et pour la communication auprès des salariés. C'est déjà quelque chose qui n'est pas très simple à comprendre pour les salariés, donc effectivement avoir un seul acte qui résume tous les droits et devoirs du salarié, c'est plus simple en interne pour communiquer. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je vous propose de poursuivre la présentation. Si bien évidemment, il y a des questions qui vous reviennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser, on reviendra sur le sujet. L'autre réforme qui pointe, qui arrive à horizon 2024, donc c'est celle qu'on évoquait en tout début de webinaire, c'est la réforme des catégories de bénéficiaires, qu'on appelle également catégorie objective de bénéficiaires. En fait, cette réforme, c'est la conséquence de la fusion des régimes Agir-Carco et donc d'une modification des normes applicables sur le sujet. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut profiter de la première réforme pour traiter en même temps la seconde et ne pas avoir à revenir deux fois sur le sujet, ou est-ce que dans certains cas, il n'est pas plus opportun également d'attendre un petit peu? Donc ça, on y reviendra dans la présentation. Déjà, on va présenter la réforme et ses conséquences. Donc la deuxième réforme va concerner ce qu'on appelle les catégories objectives des salariés, c'est-à-dire qu'en fait, les contrats collectifs bénéficient d'exonération de cotisation URSSAF, mais parce qu'ils ont un caractère obligatoire.
Ça peut être obligatoire. Alors, le plus simple, et c'est ceux qui ne seront pas à modifier, c'est que lorsqu'il concerne l'ensemble du personnel, on peut les trouver sur des régimes de santé. Mais bien souvent, en fait, dans les entreprises, on va trouver des régimes différents pour les collèges, cadres et non cadres. Et en fait, c'est ce qui va changer, on va le voir, c'est la définition de ces collèges. Et tout simplement parce que l'accord, on a un accord ANI qui est venu un petit peu chambouler tout ça. Dans le prolongement de la fusion de l'AGIRC et de l'ARCO, des régimes qui avaient été mis en place en 1947. Donc, pour être considéré comme collectif, le contrat doit bénéficier à l'ensemble des salariés, possibilité d'opérer des distinctions entre les salariés sous réserve de fixer les catégories objectives. Donc, on a cinq catégories objectives, et sur les cinq, en fait, on va voir que ce sont les deux premières qui sont les plus souvent utilisées, l'appartenance aux catégories des cadres et non cadres ou les seuils de rémunération. Donc, c'est ces deux premières qui vont être redéfinies en fonction d'un rétroplanning qu'on va voir sur le slide suivant. Donc, on a l'article 242.1 du Code de la Sécurité sociale, qui est l'ancien et qui était valable jusqu'à janvier 2022. Donc, on avait les deux cas qui sont la référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC de mars 1947. Donc, on définissait le statut cadre. Donc, cadre et 4 bis, je vous rappelle, c'est cadre et assimilé. Et par opposition, on disait, ben, il y a les non-cadres, c'est ceux qui ne cotisent pas au régime AGIRC. Et puis, on avait les articles 36 qu'on pouvait rattacher aux 4 et 4 bis, donc qui bénéficiaient des avantages des régimes cadres. C'est ces articles 36 dont on va parler un petit peu plus loin, qui vont être un petit peu plus difficiles à reloger, entre guillemets, pour savoir à quel collège on les rattache. Et puis, on avait les seuils de rémunération. Donc, on avait les régimes qui pouvaient être mis en place en référence aux seuils de rémunération, base AGIRC et ARCO, donc les tranches 1 et 2, qui sont, pour mémoire, la tranche A, sur laquelle on cotisait historiquement à l'ARCO, et puis pour les cadres, et puis la tranche B et autres, sur lesquelles on cotisait à l'AGIRC. Donc, ça, c'est ce qui existait en référence à l'accord interprofessionnel de 61, si on nous ramène quelques années en arrière. Donc, c'est ces deux points-là qui vont évoluer, c'est sur ces deux points-là qu'il va falloir faire les mises en conformité. Et peut-être une aparté sur les mandataires sociaux qu'on peut faire? Alors, les mandataires sociaux, on peut l'évoquer également, c'est que, en fait, tout ce que l'on évoque là, c'est lié à à une notion de contrat de travail, bien évidemment. Donc, tous les régimes de santé, prévoyance et retraite concernent les salariés qui ont un contrat de travail, et quid en effet des mandataires sociaux, puisque n'ayant pas de contrat de travail, ne rentrent pas dans ce périmètre. Donc, il est judicieux de prévoir, au travers d'un PV d'AG, que le bénéfice de ces régimes santé, prévoyance et ou retraite est étendu aux mandataires sociaux, puisque, une fois de plus, ils n'ont pas de contrat de travail, et il est judicieux de prévoir qu'ils bénéficient également de ces régimes-là. Ça peut être demandé en cas de contrôleur SAF. Tout Ça à il fait. est rarement, mais ça peut. Donc c'est vrai que c'est Oui. judicieux de pouvoir prévoir dans ce PV d'AG l'extension finalement du contrat aux mandataires sociaux. Exactement. C'est bien le rappel. Donc ça, c'est ce qui est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Voilà. Et donc comme l'annoncé, finalement, les régimes AGIRC-ARRCO ont fusionné au 1er janvier 2019. Alors, on a une problématique d'application de la loi dans le temps. Mais ce qui fait que on est amené à parler de cette réforme. Voilà, on a un accord ANI. En fait, ça va être la référence. On avait l'accord de, on avait la CCM de 1947, c'était ce qu'on connaissait jusque-là. Maintenant, on va parler de l'accord ANI, accord national interprofessionnel, du 17 novembre 2017. Et en fait, c'est dans cet accord national qu'on va redéfinir, que le législateur a redéfini les nouvelles catégories bénéficiaires. Donc, cet accord a posé le libellé de ces nouvelles catégories. Après, on a eu en 2019 la fusion des régimes, donc pour mémoire, l'ARCO absorbé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, l'AGIRC qui a été absorbée par l'ARCO. Et donc, abrogation donc, des articles 4, 4 bis et 36 qui faisaient référence à l'AGIRC. Et également, tout ce qui faisait référence aux tranches. Donc, conséquence, les régimes de protection sociale fixant des catégories objectives en fonction de ces critères, par définition, sont plus conformes. Sauf que vous avez déjà vu qu'on a une définition en 2017, puis une fusion en 2019.
il y a un moment, il va falloir laisser aux entreprises le temps de se mettre en conformité. Ouais. Donc, le législateur prévoit une période de mise en conformité, qu'on va voir un petit peu plus loin, qui va permettre tant aux entreprises qu'aux partenaires sociaux de se mettre à jour en termes d'obligations. Donc, depuis le 1er janvier 2022, les catégories objectives sont les suivantes. Donc, en fait, quelque part, c'est un petit peu un copier-coller, c'est le changement dans la continuité. Les KT4 bis deviennent articles 2.1 et 2.2, sauf que ce n'est plus en référence à la CCM de 1947, c'est référence à Cordani du 17 novembre 2017. Donc là, jusque-là, pas trop de changements, néanmoins, il faut quand même mettre les régimes en conformité. Donc, on reprend le libellé à très peu de choses près de ce qu'on connaissait. Quid des articles. Alors, on va avoir donc ceux qui dépendent des articles de 1 et de 2, et puis ceux qui ne dépendent pas. Donc, autrement dit, les cadres et les non-cadres. Et on évoquait tout dans le slide précédent, en fait, les articles 36, donc les ETAM, techniciens agents de maîtrise, qui pouvaient bénéficier des garanties des cadres. Et on le voit dans certains accords de branche. Donc, en fait, pour eux, ce collège va disparaître, article 36, va disparaître au sens du libellé, bien évidemment. Donc, en fait, on va les rattacher soit aux 2.1 et 2.2, soit au non-cadre, tout simplement par accord de branche, à condition que cet accord de branche soit validé par la commission paritaire de l'APEC. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des articles 36 dans vos régimes, j'aurais tendance à dire qu'il est urgent d'attendre que les accords de branche définissent. Alors, en fait, on en a un qui a bien avancé, c'est celui de la métallurgie, qui définit tout simplement est-ce que l'article 36 bénéficie des avantages des cadres ou pas, et ça va être souvent en fonction des niveaux des coefficients. Donc ça, je vous engage à vous retourner vers les accords de branche et l'évolution de vos conventions collectives qui vont vous indiquer si ces articles 36 bénéficient ou pas de ces extensions de garantie. Mais en tout cas, le collège tel qu'on le connaissait, 4 bis 36, n'existera plus. Même chose pour les seuils de rémunération. On avait donc une fois de plus les références à la GIRC et l'ARCO. Là, on va se retrouver avec, alors, là, un petit peu aussi de la sémantique, parce qu'on parlait de tranche A, tranche B, tranche C. Et on va parler de tranche 1, 2, le tout jusqu'à 8. Mais bon, il n'y a pas de ce point de vue-là une grosse évolution. C'est là une fois de plus la référence qui évolue. Donc, sur ces modifications de catégories objectives, on a vu tout à l'heure sur la première partie, les maintiens des garanties, en fait, c'est les assureurs qui, de façon unilatérale, ont fait les avenants et les entreprises qui mettent en conformité leur acte juridique. Là, sur ces modifications de catégories, en fait, c'est vrai qu'on a une période de tolérance, mais rien n'empêche l'entreprise de se mettre en conformité avant. Et si elle le fait, l'assureur, il peut pas le savoir. Oui. Il ne veut pas l'inventer. Donc, charge à l'entreprise, puisqu'on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, mise en conformité, adéquation du contrat et de l'acte juridique. Là, à partir du moment où vous anticipez la mise en conformité de vos catégories bénéficiaires, il faut en informer l'assureur pour que, par voie d'avenant, il modifie le libellé des catégories objectives. Donc, pour cette deuxième mise en conformité, ça va être à vous de vous rapprocher de votre assureur pour effectuer cette modification sur les contrats. Voilà, si par défaut votre assureur, sinon il va attendre la fin du délai de mise en conformité pour prévoir un avenant à votre contrat d'assurance. Exactement. Donc il y a vraiment une démarche proactive de votre part vis-à-vis de l'assureur. Alors là, on va se retrouver avec différentes cas de figure sur les mises en conformité. Il ne faut pas perdre de vue que cette réforme concerne le libellé des collèges, on l'a vu. C'est ça. Donc, votre contrat d'assurance, il faisait référence aux articles 4, 4 bis, 36 ou à des tranches de rémunération, tranche 1, tranche 2, tranche A, etc. Donc, c'est ça qui est modifié. Et même si c'est une modification un petit peu de pure forme, bah, il est nécessaire de mettre en conformité vos actes. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, même si dans les faits, pour vos salariés, ça ne va strictement rien changer, à part peut-être pour les articles 36 où là… Si l'accord de branche, voilà, les déplace. Et pour ça…
Donc, on a une période, une tolérance jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir différents cas de figure parce qu'il y a la règle et puis forcément, il y a tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, cette période de tolérance jusqu'au 31 décembre 2024 concerne, il y a différents cas de figure. Donc, il y a les régimes qui existaient avant janvier 2022 pour lesquels, en fait, on a cette période qui peut continuer à s'appliquer, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ne pas modifier le libellé de ces catégories, sauf si vous changez le périmètre du régime. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un régime qui concernait que les articles 4, donc les 2-1, l'équivalent 2-1, et vous l'étendez aux assimilés. À partir de ce moment-là, je modifie le périmètre, donc je rentre dans les nouvelles règles, donc dans le nouveau libellé. À l'inverse, je ne modifie pas mon périmètre, mais par contre, je modifie mes garanties, voire je change d'assureur. À partir du moment où mon périmètre ne bouge pas, je n'ai aucune obligation de mise en conformité. Même si, on va l'évoquer tout à l'heure, il est peut-être judicieux de regrouper le point et le point 2. Mais savoir qu'il n'y a pas d'obligation d'appliquer ce nouveau libellé dans d'autres cas qu'une modification du périmètre. Donc pour les entreprises qui mettent en place, par contre, un nouveau régime là, à compter du 1er janvier 2022, donc on a bien dit un nouveau régime et pas un nouveau contrat. La différence du régime, c'est je n'avais pas de garantie de prévoyance, je mets en place des garanties de prévoyance, c'est bien la mise en place d'un nouveau régime de prévoyance. J'avais un contrat de prévoyance, je remplace par un nouveau contrat de prévoyance, il n'y a pas de mise en place de régime, c'est une mise en place d'un nouveau contrat, mais on est sur un maintien de régime, donc on ne rentre pas dans l'obligation. C'est la nuance contrat-régime. Oui. Moi, je n'ai pas toujours très clair pour le commun des mortels. Exactement. Et c'est bien pour ça que dans les actes juridiques, vous verrez toujours on fait référence au régime et pas au contrat. Et oui, c'est pour ça que souvent, il y a une confusion. Dans les actes juridiques, on parle de date de mise en place du régime. Oui. Et souvent, les entreprises ont souvent tendance à regarder le contrat. Oui. Non, parce que peut-être qu'il y avait un contrat chez un autre assureur ou différent, bien antérieur. Et donc, c'est bien c'est la mise en place de la protection qui est importante et pas la date d'effet du contrat. Voilà, donc vérifiez vos DU notamment, hein, vos actes fondateurs, et s'ils font référence aux articles 4, 4, 10, 36, 31, 2, ABC, donc vous devez les modifier, donc avec ce délai mis en œuvre qui est différent, comme vient de vous l'expliquer Philippe. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, j'anticipe, c'est de dire, bon, on a vu qu'on avait une obligation finalement au 1er juillet, on en a une autre qui est un peu plus loin, mais qui nous laisse quelques temps. Modifier deux fois nos DU. Alors, modifier deux fois, donc ça fait un petit peu l'administratif, mais surtout informer deux fois. N'oublions pas qu'à partir du moment où on modifie l'acte juridique, c'est une information auprès des salariés avec feuille d'émargement. Donc, il y a quand même tout un protocole qui est quand même assez lourd. Donc, l'idée et le conseil, c'est de dire, de toute façon, puisqu'on doit communiquer et modifier cet acte juridique au 1er juillet, essayez de faire les deux modifications en une, entre guillemets, et du coup, ça permet de communiquer qu'une seule fois et pas d'y revenir dans quelques temps. Donc, rien n'empêche de le faire, et d'un point de vue, je dirais, pratico-pratique, c'est peut-être plus simple. Plus simple pour l'entreprise, pour son service RH, et puis aussi en termes de consultation du CSE, ça permet de traiter les deux sujets en une seule consultation avant de modifier la décision unilatérale, notamment. Donc ça, on peut considérer que ça s'applique et c'est un conseil judicieux, sauf une fois de plus, si les régimes prévoient les articles 36, où là on va attendre que les accords de branche définissent dans quelle catégorie on doit les placer. Très bien. Écoutez, c'est tout pour cette présentation. On a quelques questions, pas spécialement. Pas plus que tout à l'heure. Bien. Donc, j'espère qu'on a été clair, du coup, et qu'on ne vous a pas perdu en cours de route. Dans tous les cas, comme je l'ai signalé en tout début, j'ai quelques questions qui arrivent, c'est parfait. Va-t-on unifier le régime de prévoyance si l'on a deux contrats différents? L'un pour le personnel AGIRC et l'autre pour le personnel ARCO. Donc, on est en référence aux deux collèges qui disparaissent de par la fusion de l'AGIRC et l'ARCO. Donc, oui, il faudra bien évidemment qu'on redéfinisse. Alors, en fait, on va se retrouver
les 2-1 et 2-2 de l'ANI, en fait les cadres qui deviennent donc les salariés couverts par la par le collège qui concernait la GIRC, bah, ça va devenir les 2-1 et 2-2 de l'ANI. Et puis les ARCO, c'est non, par opposition, non couvert par les articles 2-1 et 2-2 de l'accord ANI. C'est vrai qu'on va se retrouver avec ceux qui cotisent à un régime et ceux qui ne cotisent pas par rapport à obligation. Anciennement, les cadres et les non-cadres. Mais oui, il faudra modifier, bien sûr, puisqu'on fait référence à... Toute catégorie bénéficiaire qui fait référence de toute façon au régime AGIRC et ARCO devrait être mise en conformité au plus tard, on l'a vu, 31/2024. Tout à fait. Donc, prenez la tâche de votre assureur pour procéder à cette modification lorsque vous le souhaiterez, puisque du coup, il n'y a pas d'urgence. Est-ce que l'accusé de réception par mail vaut émargement? Alors, juridiquement, moi, je préconise quand même plutôt soit une signature électronique, soit une signature papier pour la remise des documents. Un accusé de réception me paraît insuffisant en cas de litige avec le salarié. Donc, dans la mesure du possible, essayez plutôt d'avoir un émargement pour attester de la remise de l'ensemble des documents à votre salarié. Je précise parce qu'on ne l'a pas précisé, et puis ça peut être important de le rappeler, à votre décision unilatérale, pensez à joindre également toute la notice d'information de l'assureur qui prévoit toutes les garanties dont peut bénéficier le salarié, puisque c'est quelque chose qui est parfois oublié à la remise. Or, si vous avez un litige avec votre salarié, il faut pouvoir attester que vous l'avez bien informé de toutes les garanties auxquelles il pouvait avoir droit dans le cadre de la prévoyance ou de la mutuelle frais de santé. Il est bon de prévoir dans l'acte juridique qu'on voit la notice suivante. Tout à fait. Donc, même si vous n'avez pas de mise à jour de vos garanties, ça peut être utile dans le cadre de cette nouvelle DU de rejoindre à nouveau la notice d'information. Comme ça, vous mettez tout en conformité, vous êtes certain que tout le monde l'a bien eu en date du 1er juillet. Et à l'inverse, si la notice est mise à jour pour une autre raison par l'assureur, l'acte juridique qui renvoie à cette notice reste à jour, puisqu'il renvoie à la notice qui elle-même a été mise à jour. Alors, pour l'émargement, comment faire avec les salariés en long congé? Écoutez, que ce soit maladie ou pour toute autre raison, dans ces cas-là, le mieux, c'est de leur envoyer par courrier recommandé. Comme ça, vous êtes certain qu'ils ont bien eu l'information de la mise en place de la nouvelle DU. On est bien sur l'obligation d'information, tout à fait, et donc une trace de cette information. Par qui doit être rédigée la DU? Donc, c'est par l'entreprise. C'est vraiment un acte qui incombe à l'employeur. Donc, c'est à lui de la rédiger, de la soumettre pour information à ses salariés. Donc, j'ai également une question me demandant si Orcom peut accompagner nos clients dans la mise en place de la DU. Évidemment, c'est tout à fait possible. Donc, si besoin, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de votre interlocuteur habituel chez Orcom pour qu'on vous aide à vous mettre en conformité avec vos obligations. Je me permets un point aparté avant la question suivante. On parlait tout à l'heure de régime collectif caractère obligatoire avec les cas de dispense. Les cas de dispense, le plus courant en général, et là je reviens sur la partie complémentaire santé, les régimes de santé, je suis déjà couvert par mon conjoint, c'est la dispense la plus courante. Attention, il faut que vous ayez bien un écrit du salarié qui vous précise deux choses. Un, qui ne souhaite pas cotiser puisqu'il est couvert en tant qu'ayant droit d'un contrat collectif à adhésion obligatoire, mais surtout qu'il a pris connaissance des garanties. Ce sont deux choses qui sont différentes, mais dans le document que ce salarié devra vous donner, il y a ces deux points-là qui sont importants. Un, qui spécifie bien qu'une fois de plus, le contrat du conjoint a bien un caractère obligatoire pour les ayants droit. Et le fait qu'il ait pris connaissance, c'est tout simplement un salarié pourrait refuser aujourd'hui, dans quelques années, avoir un problème de santé.
ne pas être couverts ou avec des garanties très faibles, et en fait mettre en cause l'employeur en disant, mais en fait non, vous ne m'aviez pas dit que j'avais des garanties beaucoup plus importantes que j'avais à titre personnel. Alors certes, on est sur des cas un peu particuliers, mais quand il s'agit de soins importants qui peuvent être mis en cause, peuvent poindre les problèmes. Exactement. Ouais. Donc, je suis couvert, cette attestation, je suis déjà couvert par un contrat collectif en tant qu'ayant droit et j'ai bien pris connaissance des garanties. Mmh. Souvent parce que je vois des attestations qui circulent où c'est juste je refuse, ça ne suffit pas. Alors, peut-être que ça peut vous dédouaner côté URSSAF, mais une fois de plus… Voilà. Il y a vraiment deux risques différents. Il y a l'URSSAF d'un côté avec cette possible réintégration dans la base patronale si l'acte n'est pas… Et à côté, vous avez le risque avec le salarié en cas d'engagement par ses soins, de frais médicaux et de dépôt d'information. Exactement. On a vraiment ces deux chefs de préjudice distincts. J'avais un autre point avant la question qui concerne, alors là, on est, c'est pareil dans ce qui a évolué dans cette période des deux dernières années, c'est la prise en charge des séances de psychologues et psychothérapeutes. Donc, qui a été traité par le législateur comme dans le poste consultation, souvent sur les complémentaires santé mutuelles, on a des forfaits psychologues, mais là, en l'occurrence, cette prise en charge-là passe dans le poste consultation sur vos régimes. Pour mémoire, chaque salarié a droit à 8 séances par an, une première séance qui est prise en charge à hauteur de 40 euros, puis les 7 suivantes à hauteur de 30 euros. La particularité, c'est que ça fonctionne avec des psychologues ou psychothérapeutes qui ont validé une convention. Et il se trouve que, compte tenu du niveau de prise en charge, ils ne se précipitent pas tous pour valider cette convention. Donc attention, ça ne s'applique pas à tous les psychologues. Donc on a deux choses. On a cette prise en charge sur ces thérapeutes qui sont une fois de plus particuliers, qui ont signé des conventions. Et puis en parallèle, vos contrats, vos régimes de santé qui peuvent prévoir des forfaits particuliers, là, chez tous les psychologues ou chez tous les psychothérapeutes. Donc, je dirais que c'est une prise en charge qui vient en complément des garanties existantes et qui ne vient pas interférer, puisque on est sur, dans ce premier cas de figure, les 8 séances, prise en charge sécu, alors que pour les autres cas, on n'a pas de prise en charge sécu, donc une prise en charge forfaitaire par les complémentaires santé. Voilà, c'était les deux petits points que je souhaitais aborder. Ok, c'est très bien, merci pour ces précisions. J'ai une ultime question, est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint? Donc bien évidemment, comme je le disais en tout début de webinaire, on vous enverra le support, il n'y a pas de problème. Ça vous sera adressé tout simplement à l'issue du webinaire d'ici quelques jours. Une DU peut-elle prévoir une dérogation d'adhésion au régime de prévoyance et de complémentaire santé pour les formateurs occasionnels? Une question un petit peu technique. Alors, on est sur le cas des dispo. Alors, on est sur le temps très partiel. Oui, c'est ça. Alors, sur des contrats très courts, plutôt formateurs occasionnels, effectivement, on va être sur du CDD d'usage, en général, qui va durer un ou deux jours. Donc, est-ce qu'on doit les affilier, ces salariés? Alors, attention, quand on parle de dispense, c'est pas l'employeur qui interdit à son salarié de s'affilier, c'est le salarié qui a la possibilité de refuser. Ouais. Il faut le remettre dans le bon sens. Donc, oui, sur du temps, ce qu'on appelle du temps très partiel, ça fait partie des cas de dispense et en effet, le salarié peut refuser d'adhérer. Donc, c'est votre salarié qui doit avoir cette démarche positive de dire « je ne reste qu'une journée, donc je décide que je ne veux pas être affilié et je vous fais un courrier comme quoi j'ai bien compris ce que ça a engagé pour moi. C'est-à-dire, s'il m'arrive quelque chose, je ne serai pas couvert par les frais de santé. » Donc, effectivement, c'est un acte volontaire du salarié. Voilà, donc après, j'ai des remerciements dans le chat. Donc, merci à tous. On espère qu'on a été clair. Si vous avez des questions qui vous reviennent, de toute façon, on reste à disposition. Dans le support, vous verrez, me semble-t-il, à la fin, on avait mis les coordonnées. Tout à fait. Les vôtres et les miennes. Donc, s'il y avait des questions subsidiaires, vous nous les faites passer par mail. Voilà. On essaiera d'y répondre. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.